C'est une équipe d'enfer. Et on voit d'ailleurs, parce que je suis pas petit, et on voit que c'était pas des nains. Les machines, elles aussi, sont des géantes, des monstres à apprivoiser. En voilà de nouvelles. Charge aux équipes de les dompter et à leur bord de pénétrer un peu plus, chaque jour, sous la Manche. Ce sont des tunneliers très sophistiqués, puisqu'ils sont complètement étanches quand c'est nécessaire, et ils fonctionnent quasiment comme des sous-marins. J'étais médecin du travail, mais j'étais un peu médecin particulier, c'est-à-dire que les gens se confiaient, venaient aussi décompresser quand ils avaient des problèmes, parce que le chantier n'était pas facile. Il faisait quand même 35-40 degrés avec une hygrométrie à 85%, 90%. Oh, je disais, mais il manque plus que le palmier, écoutez. Et le matin, quand le patron arrive, « Allô? Combien de mètres ?» La question, paf, elle tombe. Il y avait un journal électronique qui permettait de connaître les performances des équipes. Et chacun, avant d'embarquer, connaissait la performance qui avait été faite par l'équipe précédente. Je me souviens des télévisions qui étaient partout sur le chantier, qui disaient, bon, aujourd'hui, on a fait autant de mètres. Et on regardait tous les matins pour savoir combien de mètres avaient été creusés. Donc, on avait cette envie de challenge quand même, il fallait gagner. 5000 employés vont être mobilisés au plus fort du chantier. Une véritable armée.